Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de cette vidéo. Ça nomme ses amis ou ses frères adorateurs Bertin d'Orville-Noir. Je dis à nous venir pour nous parler avec un monde. Avec un monde qui gagne l'autre monde qui te fait un bagaille. Avec un monde qui gagne l'autre monde qui te peut-être dit une parole sous lui. Et depuis le monde a fini de dire parole ça sous l'IA, donc il n'a pas senti que il a eu courage pour pardonner mon ça. Il n'a pas senti le courage, même pour être capable de vivre dit mon ça bonjour. Parce que le sentiment cœur, ça mon en fait là, il n'est pas prêt pour pardonner mon. Vous voulez considérer parole bon Dieu ensemble avec vous. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la parole de Jésus. Donc Jésus t'a répété parole ça pendant que disciples t'a demandé avec Jésus pour montrer, pour prier, etc. Et il t'a dit, mais comment pour arriver à prier? Donc, il y a des gens qui relèvent la prière dominicale. Donc, il y a des bali de différents noms. Mais ce n'est pas non que la prière ça qui est plus important, mais c'est la réalité qui gagne dans la prière ça. La profondeur qui gagne dans la prière ça, c'est lui-même qui est plus important. Si il y a une prière que nous répétons en pile, c'est la prière de notre Père. Et ceci, même les gens qui ne sont pas habitués à l'église, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils connaissent en quelque sorte la prière ça, qui c'est notre Père. Et si tu as dit réciter, donc ils sont prêts pour réciter. Mais c'est une prière qui est bourrée avec enseignement. C'est une prière qui est bourrée avec de réalité, qui est bourrée avec de vérité que nous devons observer dans la vie chrétienne. Donc, je dis, je vais adresser particulièrement avec un monde qui sentit que lui a un monde dans le cœur. Et là, je dis, c'est bizarre pour que ou gagne un monde dans le cœur pendant que sous cœur, sous trône cœur, c'est Jésus qui doit régner sous trône cœur. C'est Jésus qui doit dominer sous trône cœur. Cœur pas en côté pour personne monde rester, cœur pas en prison. Je dis à nous là pour nous adresser avec Silayo qui sentit que un monde dans le cœur. Nous venons dire bon Dieu mandé pour capable pardonner. Bon Dieu mandé pour pardonner avec tout le monde qui t'a fait un bagage qui mal. Peu importe gravité ça mon nan te fait là. Peu importe par contre blessure que ça t'est capable quitter dans cœur. Peu importe cicatrice que ça t'est capable quitter dans cœur. Mais bon Dieu, lui mandé nous pour nous capable pardonner. Et on a une raison qui fait que nous devons pardonner, c'est parce que bon Dieu lui pardonne nous. Parce que bon Dieu lui pardonne nous, nous-mêmes nous gagnons obligation également pour nous capables de pardonner. Si nous posé cette question, nous demandé combien de fois bon Dieu pardonne nous. Et si nous demandé pendant une journée, pendant un petit temps, pendant 3 heures, 4 heures de temps qui sont passés, avant même que vous tombez sous vidéo ça, combien de fois vous sentez que bon Dieu lui pardonne nous. Et puisque bon Dieu lui pardonne nous, donc nous-mêmes aussi, nous gagnons obligation pour nous pardonner un monde qui fait nous mal. Il n'y a pas de monde qu'on fait. Ou qu'on sent vraiment, c'est grave, c'est gravissime. Il n'y a pas de monde qu'on dissout. Et ou pas de aucun rapport avec ça, moun nan dissout. Il n'y a pas de monde qui dissout, les sales réputations. Li terni toute image que vous avez gagné, tout ça que vous avez perdu tant que vous avez construit pendant des années. L'écraser, li ternir. Humainement parlant, c'est dur pour que vous levez d'un bon matin, vous décidez pour pardonner à Mounsa. Il y a des gens qui peut-être cause la mort des gens dans la famille. Qui cause ou perdu un proche, ou perdu maman, ou perdu papa, ou perdu un frère. Par rapport avec
telle ou telle action que yon moun pose. On demande est-ce que moun sa vraiment li digne pour pardonner. Et n'a dit pardonner, c'est pas parce que moun nan li digne pour pardonner, mais c'est parce que la parole de Dieu li mande nous pour nous capable pardonner. Et m'ta fait une intervention. Moi t'ai dit le pardon, c'est une puissance libératrice. Si je ne me trompe pas, il y a un auteur qui dit ça. Le pardon, c'est une puissance libératrice. Leur pardonner, on sent tout libre. On sent tout léger. On sent tout à l'aise, leur pardonner. Comment on sent tout leur, on ne sent tout à l'aise avec le monde. Chaque fois, on sent tout dérangé. Chaque fois, on sent tout pas dans la peau. Chaque fois, on sent tout mal à l'aise. Donc, le fait que vous pardonnez moun sa, ou bay chance à tête pau ou même pour libre. Ou bay chance à tête pau pour bien vivre. Bon Dieu mande pour nous pardonner. M'a kone, si son coup de fil ou a fait, après l'on moun pou dil, un tel ça m'a gagné avec ou ali fini jodi a, nous pas gagné rien encore parce que moi tande yon méditation, moi tande yon parole sur channel YouTube Adorateur Berthe d'Orville Mort. Donc jodi a moi décidé de dire ça que nous gagné entre nous, li fini jodi a. Pas dit tout en dit lifté, pas tombé. Ça pas parole moun qui pral dans le ciel. Yon moun qui dit tout en dit lifté, pas tombé. Que le Saint-Esprit de Dieu est capable de convaincre pour arriver à pardonner. Il y a des gens qui ont gardé, qui ont gardé, qui voulaient prendre une décision pour pardonner, mais qui sentent une voix qui a bataille avec eux, une force intérieure qui a goumé avec eux. Il y a une voix qui a dit oui, on veut pardonner. Il y a une autre voix qui a dit non, ça ne vaut pas la peine de pardonner. Mais que voix, le Saint-Esprit qui a parlé dans le cœur, qui a capable de permettre que vous pardonnez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous pas contre gravité, ça qui t'est passé. Nous pas contre dimension blessure qui t'est causée. Mais parole ou dis-nous, alléluia. Ora ka soto koyere bo shata karabasa takaya. Ori arababa soto korobo shoto koyere bo sataka. Alléluia. Ori karababasa takaya rabobo shite kerebo sa. Alléluia. La kosa takaya. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Parole ou dis-nous pour nous pardonner. Et aidez-nous Seigneur pour nous obéir avec parole ou pour nous pardonner. Aidez-nous pour nous obéir avec parole ou pour nous pardonner. Et à partir de pardon, ça que nous va bailler avec Zamien, nous va bailler avec frère, nous va bailler avec famille, ça que tu fais nous bailler qui mal. Porte ciel là, va l'ouvrir sur la vie nous. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes contents aujourd'hui à frère. Nous sommes contents aujourd'hui à Zamim pour nous être ensemble, pour nous passer du temps ça. Partagez la vidéo ça avec un autre monde. C'est sûr qu'il va aider un peu le monde. Si vous pouvez abonner avec Chanel là, nous encouragez-vous, faites ça pour que le travail là soit capable d'aller plus loin et plus de monde capable de bénéficier de lui. Que bon Dieu bénisse. Moi c'est frère, moi c'est Zamim, adorateur Bertin d'Orville-Mar. À très bientôt.